Au Kenya, la colère gronde. Les manifestants sont de nouveau dans les rues pour demander le retrait du projet de loi finance du gouvernement, actuellement débattu au Parlement, en vue d'un vote avant le 30 juin. Le texte controversé prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Nous n'allons pas rester assis à la maison pour qu'il puisse adopter un autre projet de loi de finances sans notre approbation. Nous devons leur faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils veulent nous imposer. Le Kenya est frappé par la pauvreté. Nous n'avons pas de système éducatif. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et le gouvernement veut encore retirer le budget de l'éducation, des services de santé et de nos enseignants. Veulent-ils que nous restions analphabètes pour qu'ils puissent en profiter? Face aux contestations, le gouvernement du président Ruto a retiré mardi du projet de budget 2024-2025 la plupart des mesures fiscales prévues. Mais l'abandon de ces mesures reste insuffisant pour la population. Les manifestants exigent le retrait du texte dans son intégralité.